Je fais deux partages de cette vidéo sur Montaigu de Quercy et les tailleurs de pierre. Ça me vaut une nouvelle sanction. Votre accès à certaines fonctionnalités Facebook a été restreint. Consultez votre espace assistance. Voilà. Et cette fois-ci, c'est pour une semaine. On peut faire appel, mais bien sûr, ça ne sert à rien. Expliquez pourquoi vous pensez qu'il s'agit d'une erreur. Votre comportement est honteux. Le but est de faire payer en empêchant de partager dans des groupes. Et voilà, c'est ça le but, je pense, de Facebook. Pourquoi Facebook bloque? Merci de nous avoir donné votre avis à propos de cette expérience. Naturellement, je n'aurai aucune réponse. Et tout ce qui est écrit là, je pense que ça part dans une poubelle. Mais voilà, le but n'était pas de faire comme si je croyais qu'ils vont regarder et faire attention à moi. Le but était simplement de fumer pour montrer comment ça se passe et l'impression de plus en plus forte que le but de Facebook en bloquant est de nous convaincre de payer. 6 mars 2019, une nouvelle attaque de Facebook contre mon utilisation qu'ils considèrent anormale sûrement puisque je ne paye pas et j'ai 5000 amis. Facebook veut mon numéro de téléphone, Facebook veut également le vôtre. Et pourquoi ça? Ce soir, il en dit un peu plus. Fais pas ci, fais pas ça. Ils en sont arrivés là. Mais on ne sait jamais quand on va se prendre une interdiction de partager dans des groupes ou de contacter nos prétendus amis Facebook ou même de se connecter à son compte. Il n'existe. On les a cru, les experts, ils savaient ce qu'il fallait faire, ils avaient des diplômes. Du baratin, le décorum, présenté comme des surhommes, on a cru les technocrates. On nous en perçoit dès l'enfance, le monde tourne grâce à la concurrence, nous devons réaliser des performances. Nous devons suivre leur cadence, on nous abreuve de rengaine. Leur égalité républicaine, l'ascenseur social, l'éducation nationale, la réussite par le travail, on est des milliards, autour du minuscule gâteau, on ne peut qu'apercevoir, ceux d'en haut, héritiers et récompensés. Petit gâteau, et grosse galette, ça en réalité, on nous fait miroiter et les récompenser. Petit gâteau, et grosse galette, les privilégiés gèrent notre terre, derrière notre terre. Monsieur le préfet du Lot, je me dois de porter à votre attention une assertion du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 9 avril 2019 de ma commune, Montcuq-en-Quercy-Blanc. Jocelyne, Mathieu, signale que la subvention Salon du Livre est supprimée, Monsieur Ternoise ayant des propos injurieux envers les élus de la commune. Ainsi, dans le compte-rendu de ce conseil municipal, l'association Montcuq-en-Quercy-Blanc Culture n'est pas mentionnée. Il n'y a eu aucun vote sur notre demande de subvention, mais la décision a été prise par une ou des personnes non notées, dont Madame Mathieu, adjointe aux associations, fut la porte-parole.
Aucun des conseillers municipaux ne semble avoir demandé de justification, de preuve à ce gravissime propos injurieux. Naturellement, je ne peux pas laisser passer. Ah, mon duc, pas besoin de gilet jaune. Eh oui, devant la mairie, on se réunit avec les poêles, les célèbres poêles de mon duc, pour signifier notre mécontentement à M. le maire.